Bon, et toi, là, qu'est-ce que tu dois faire? On va pas y passer la nuit. Moi, j'ai des fractions. Eh ben, c'est très bien les fractions, je connais très bien ça. J'en fais toutes les semaines à la salle de sport. Allez, vas-y. Sur un vélo qui a un plateau de 22 dents et un pignon à 12 dents, si la pédale fait un tour complet, la chaîne avance de 22 chaînons. Combien de tours faut-il faire pour que la chaîne avance de 350 chaînons? Je peux aider si tu veux, c'est facile. Ben non, moi aussi je sais, tu me prends pour qui? Bon, déjà c'est n'importe quoi parce que ta prof elle va à l'école en voiture. Alors, je vois pas pourquoi elle nous parle de vélo là. Bon, allez, tiens, hop, voilà, ça c'est réglé. Allez, file. Mais je lui dis quoi, ma prof, demain? Eh ben, tu lui diras que t'as déraillé. Bon, à ton tour, c'est aussi des maths? Oui, des divisions. Ah, super. Combien font 88 divisé par 17? Ah, c'est facile, ça, je peux l'aider. Mais bien sûr que c'est facile, hein, il me prend pour qui? Bon, alors déjà, ça peut pas marcher, parce que 88 c'est un chiffre pair, alors que 17 c'est un chiffre impair. Vos profs vous font vraiment faire n'importe quoi. Mais non, c'est pas Mais ça. quoi? Mais toi tu t'occupes de tes leçons là. T'avais autre chose? Oui, une poésie à apprendre. Ah bah voilà, ça c'est très bien ça. Alors je t'écoute. Je suis passée chez Soch. Ben voilà, très bien. Allez, file. Et tu vois, comme ça, Laurent, l'opération, elle est juste. Oui, bon, bah ça va, hein. J'avais compris. Allez, hop, file là, et puis t'es privé de télé. Mais on n'a pas de télé. Ah oui, merde. Mais tu sais, Laurent, tu peux me priver d'autre chose.